Bonjour, Ndeko, journaliste. Oui, Francisco, je suis un peu plus de temps. Nous avons un intérêt personnel pour piller les minéraux, mais tandis que nous avons un peu de temps. Donc c'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est incroyable. Nous avons un Congolais qui est un Congolais partout dans le monde. Diaspora, étudiants, écoliers, maman maréchal, maman bilanga, vendeur, commerçant. Ba commerçante, ba fonctionnaire, ba professeur, toutes les classes sociopolitiques, ba opposant majorité, tout si mon comme seul homme pour na été tout soutenir notre armée pour na été tout mettre hors d'état de nuire. Ba nyangala kata ono ba mafia monde, o ba liko zamboka na biso en otage par rapport à kita o nzamba pesa biso, o nzamba pimela bango. To tinda ki nzamba été à pimer la richesse. Mais richesse, oh, on a appelé ce bisso, il y a un monde qui est commis. Et comme c'est victime, il y a un monde qui est mobile. En tout cas, c'est un peu ça. Moi, en Boka, tant autant toujours la communauté internationale, c'est qui désire à l'île, moi, en Boka. Merci, moi, en Boka. En tout cas, c'est une très belle question, vraiment. Quand on a la liaison à la communauté internationale, parce qu'on a fait plusieurs analyses, mon frère, on a fait une investigation. J'espère que vous comprenez par rapport à l'enjeu de l'air. Congo est un lobby, na Congo est un lobby. Quand vous avez battu la mafia au monde, vous avez infiltré le président étranger dans le cas de infiltré le police Kanambe Kazemeri comme président de la République de Congo. Tant que vous avez le Rwandais, na ba mafia au monde. Ainsi que vous avez. Dans l'armée congolaise, avec Kotchela Bisso, un Rwandais à tête il y a renseignement militaire, avec le serveur central de communication, avec le Rwanda, avec 540 officiers à Tchèb, dans l'armée congolaise, a infiltré renseignement militaire, a infiltré renseignement civil, a infiltré l'armée, a infiltré l'institution Mboka. Nous avons un plan, il y a une mafia monde, autre dans le poteau, communauté internationale. Pourquoi ça ne soit pas parce que bas pont y a copié minerai à Congo pour na été pour na intérêt personnel na bango. Aujourd'hui c'est monsieur Kabila qui a fait plonger ce pays dans la misère la plus sombre de la planète, dans le noir, dans l'obscurité. C'est clair comme l'eau claire dans un verre clair. Aujourd'hui arrivé à Kabila na pouvoir na mboka oyo 18 ans na mboka oyo, voilà ba retourner na ngolo lelo. Ceux qui sont armés congolaises, ils ont infiltré, ils ont été en train de se faire. Mais le roi de ce monopole, il a fait un mangaté avec arrogance dans le Congo. Ceux qui ont fait un mangaté avec Congo, na Rwanda, ils ont guerre dans le Congo. Parce que c'est trop sick. Il y a une infiltration, il y a une police qui a infiltré l'armée congolaise. Na Moussala, il y a une police qui a été à Randaye. Nous sommes sous bénédiction, ma mafia monde. Est-ce que le pays local a tout payé, le pays la Rwanda, où il y a 12 millions d'habitants, bah, il y a un peu comme dans le Congo. Dans ce moment, chaque jour, le Congo est victime, il y a complot, il y a communauté internationale. Ah, on a vu sur un village, il y a deux élèves, deux écoliers. Moi, âgé de 8 ans, moi, encore 7 ans, moi, encore 6 ans. Est-ce qu'il y a une déclaration, il y a une instance, il y a un organe international qu'on bombarde l'école, qu'on bombarde l'élève. Avant, on a un dans le village, il y a Rounion. Ben élève, babomi. Mais jusqu'à preuve du contraire, dans l'instance internationale, à ta déclaration, à ta sanction, à ta condamnation, chers compatriotes, allez-y comprendre. Mais ce que vous avez dit, Obi, et quoi, il y a Rwanda,
balandi ba 1-23 oki ba déclaration au dialogue, tout ça pour distraire le Congo, tout ça pour distraire le chef de l'État. Au moment où le peuple congolais allait aux aguets, armée congolaise basa aux aguets, bas jusqu'aux options, bas distraire mon konzamboka, bas distraire armée, bas distraire peuple congolais, bas kumba bisou na dialogue. Nous sommes les alliés plein, il y a ma mafia au monde, autre bien communauté internationale. Il y a un assez grand konzamboka, bas négocier avec un terroriste était. On négocie pas avec les terroristes. Un terroriste va dialoguer avec été. Bosolani. Il y a le gouvernement en place. Élu par le peuple, démocratiquement élu. Comment on peut dialoguer, on peut négocier avec les terroristes? Les gens qui sèment la désolation dans notre pays. Bosolani. Et ça dit distraction. Il y a la communauté internationale dans le reste du Congo. Tout le monde a deux jours passé, trois jours. Si le nom est en Uganda, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a un expliqué au monde en Rwanda, tout le monde a été faire face au Congo. Dans cette analyse, je vais comprendre la question de tout le monde. Je vais comprendre l'infiltration du Congo. Le Congo est victime de la mafia au monde. Les Congolais et Congolaises, les États-Unis d'Amérique et ses alliés, les pays OTAN, sont tentés de fournir des armements militaires au M23 avec l'appui du Rwanda et l'Ouganda. Sachez-le que les M23 sont en Ouganda et au Rwanda. Alors les Rwanda et l'Ouganda sont des diables avec les États-Unis d'Amérique et ses alliés, les pays de l'OTAN. L'Africom et le Rwanda pour soutenir et protéger les intérêts de l'États-Unis d'Amérique et ses alliés, les pays de l'OTAN. Des vilains, des petites fermes, des industries, des immeubles, le FARDC est en train de se battre avec les États-Unis d'Amérique et ses alliés, les pays de l'OTAN. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, est en train de se battre avec les États-Unis d'Amérique et ses alliés, les pays de l'OTAN. Par conséquent, nous devons nous prendre en charge et accepter l'aide des équipements et armements militaires que la Chine et la Russie avaient proposé lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sinon, nous allons devenir esclaves, toutes, Rwandais et Ougandais et les États-Unis d'Amérique et ses alliés, les pays de l'OTAN. Chers compatriotes, j'espère que tout est clair. Ce sont les Américains, autres qui ont un partenariat privilégié. Tout le monde y a un côté. Tout ça, c'est une mutualisation dans l'armée ougandaise pour attaquer l'ADF. Mais tout le monde est venu à balouquer les bisous au Congo dans mon Congo. À poignarder Fatine dans mon Congo. À quel côté qu'il y a plein de sur l'armée congolaise dans le Rwanda. Nous avons des terroristes, des mercenaires, oyo. La mafia monde, parce qu'on ravitaille les terroristes, les Rwandais, les militaires, les Bibundeli, ils ont attaqué les FARDC. L'armée ougandaise, ils ont le pont pour être l'armée congolaise, parce que la république stratégique n'a pas été faite. Ils ont dit, l'armée ougandaise, ils ont le pont à Bounagana, pour être l'armée congolaise, parce que la république n'attaque pas les terroristes, ils ont fait un peu de temps, ils ont fait un peu. C'est un complot. Donc, c'est-à-dire que le complot est total. Chers compatriotes, le complot est total. Nous sommes sous bénédiction, commanditaire dans Yango, et dans la communauté internationale. Parce que nous avons un intérêt personnel. Nous avons copié Minéré, nous avons copié Kita. Nous avons appelé ça Bissot. Nous avons un sangani entre Ouganda et Rwanda. Pour nous être, nous avons attaqué FARDC. Les militaires ougandais ont le pont. Parce que Bounagana, ils ont les frontières entre Congo et Ouganda. Ils ont le pont pour être les militaires qui ont la réplique. Tant que FARDC est offensif, il est obi. Et bien, il y a coup de balle. Ils ont une armée congolaise qui a été clé dans M23. Ils ont un militaire rwandais. Parce qu'il y a une réplique stratégique au niveau Ouganda. Mais au moment où je vous parle, ils ont une Ouganda par rapport à l'armée. Chers compatriotes, le complot est total, le complot est général.
Yango na sengina makonza mboka afungola misu. Na sengina chef de l'état afungola misu même ba pays voisins na biso. Akoki ko seka kana tout le monde te. Ba yebi ko sa to benga relation ya bonne voisinage te. Bazali wana commandité manipulé par les communautés internationales pour leur propre intérêt, chers compatriotes. Tango ba yoki makonza mboka abali ko tongola sud ki usine ya raffinerie or. Ndio mwana sika bazili maladi bazuma malaria na ba mafia ya monde ba comprendre que le ko bacha baza ya gende bona niveau ya Rwanda pona ko finance ka ba rebelle M23 ba terroriste ba mercenaires pona ko finance ka ba militaire rwandaise ba ko simba désolation ka ya Congo ba pia ka ba minerai ba or ba cobalt ba étain et ki ndaka na Rwanda. Rwanda ma premier pays à production de coltan. Rwanda zana usine ya raffinement or mais bazana or te ba zo na Congo en plus illégalement. Mais ça, plus de 10 millions de Congolais déjà koufi. Pour un intérêt personnel, il y a un. Mais jusqu'à preuve du contraire, les Congolais font du silence criminel. À ta organe, mon côté international, ils ont condamné violation. Il y a un article, il y a un cas de risque à l'Orwanda, il y a un viol. Il y a un charge qui est signé en Afrique. Pays moi côté à la base aérienne et terroriste et force négative mais Rwanda a violé Yango mais aucun instance où est condamné Kagame na ba Rwanda gouvernement rwandais le Oyo Rwanda est changé par militaire Yango tenu pour na quoi le terroriste par mercenaire pour na quoi semer désolation mais au moment où je vous parle FARDC sous contrôle il y a Tchengerero. Va bombarder actuellement le village de Yarounioni et la colline de Chanz. Au moment où je vous parle, je suis contrôlé par Touré Bounagan. Je suis lancé par Obi. De sorte que la ministre M23 comme la frontière entre Bounagan et na Rwanda. Et faire ça. Au moment où je vous parle, affrontement des animaux. Plus de 700 militaires. Commando congolais qui formé na Kibomango na ba commando français et qui na qui rapide intervention au niveau ya Goma ba kenemo ngolo mina au moment je vous parle parce que ba komi ba ngoy ba lancer opération wana après le roi général Eric en trahison armée à la main le commandant Eric colonel Eric a quoi une chasse de bataille avec honneur. En tout cas question moi repose à paix na souhaité mes condoléances la famille biologique, il y a colonel, et puis dans l'armée Mobimba, dans le peuple congolais, dans le peuple courage, dans FARDC, nous sommes derrière vous, tout ça pour soutenir nous avec dernière énergie. Et puis dans le Sénat, dans le ministre de la Défense, dans le chef d'état-major général, dans l'appel, dans les jeunes volontaires, nous sommes les parlementaires debout, tout ça pour prier à peuple chaque jour, tout ça pour communier dans le peuple chaque jour. Peuple, dans le déterminé, dans la volonté. Il y a quoi adhérer dans cette armée congolaise pour défendre l'intégrité territoriale. Moi, je veux mes condoléances à la famille à colonel Eric. Hein? Colonel Eric. Mes condoléances à la famille colonel Eric. Moi, je veux dire. Mais ministre, cette situation est contrôlée par FARDC. Au moment où je vous parle, la situation est contrôlée par FARDC. Parce que l'équipe où il y a intervention dans le ministre, il y a 700 militaires. Bah, l'équipe est en train de se faire pour les gens. Écoutez, on a un niveau il y a les marchés de liberté dans notre bacha tant que besoin de la population soit même to bimiwana o azay moi quelque chose aussi aussi mis avant besoin encourager bango balobi yango nous to kei kuna pour la mettre fin à cacophonie Congo zali moko ekotika la moko ata eteni moko te ya Congo ekokena Rwanda plaise ya kinini tangu bakoti na kati ya Bounagana souci na bango zali nini bazo a contrôle ya Goma. Et en plus, tant que je suis contre la Bounagana, je suis contre le dialogue. Pourquoi dialogue? Pour faire comprendre que c'est le plan de la communauté internationale. Je vais imposer mon contre le dialogue. Je vais imposer à travers João Lorenzo et Macky Sall. Et quand ça te. Je vais imposer mon contre le dialogue. M23 ne va boiter pas dans le même discours. Je vais mafier un monde. Bah c'est un dialogue. Pourquoi dialogue? Parce que l'avantage na bango ma konzamo wakata, kopesa bango, ba carré minière na kabila pesa ki bango.
Qu'au foot, la bon chaque fin du mois, 3 millions de dollars par mois. Non, foot, bon. N'engue gouvernement à Kabila. Il va au foot, 1,23 mango. Chaque fin du mois, 3 millions de dollars. Après, c'est bon, la carrière minière, la pire à la minerie, n'engue balingi. Nous, on a qui Rwanda. Et comment le premier pays à production à Colta, non, or. Or, qui basan à Yangote. Tant que ma consommation a décrété dans des sièges, économie à Rwanda, et chez Moutou, n'a c'est ma colicole. Et comment qui n'a c'est En Berne. Dieu m'a dit que je suis fièvre. Tant que je suis en train de usine à raffinerie à or, dans le niveau acide de Kiev. Et puis, si je suis malaria, je suis en na de Rwanda, na Ouganda, je suis en train de na Congo. Na richesse ya Congo. Je suis en train de frauduleusement, je suis en train de mais, je suis ADEF, O123, je suis en train de militaire, na bango ya armée, ya mboka na bango. Manipulé par le gouvernement ougandais, manipulé par le gouvernement rwandais, et puis sous bénédiction, il y a la communauté internationale. Il faut qu'on se le dise la vérité. Mamboka, pourquoi toujours Rwanda a toujours protégé dans la communauté internationale pourquoi? Parce que les mafieux, il y a des gens qui ont été mafieux. Ils ont discours qui ont été mafieux. Les Américains, les Français, tous les mafieux du monde, ils ont été complots au Congo. Ils ont investi en Rwanda. Bazana ba maison na Rwanda, bazana ba ferme na Rwanda, bazana ba entreprise na Rwanda, ba se investir beaucoup plus na Rwanda. Nde yomoni ba utiliser Kagame lokola ba beki na bango lokola antenne na bango. Pona ayi ba kaminere. C'est que d'ailleurs abengaka Kagame partenaire privilégié. Mais tant que mokonza mboka soki pouvoir, ayi na politique ya bonne relation, ya bonne voisinage. Eza pays voisin, yanga ba ki partenaire privilégié, c'est mon partenaire. C'est la diplomatie. Mais tant qu'avant il a pouvoir, il comprend que Batu, oh, basa bande qu'on a bisoté, balingi Congo té, basa bande qui a Congo, basa qui na Congo, car qu'apporte intérêt, oh, on zamba pesa congolais. Ne omoni Batu wana, basa ko bundisa biso, parce que ils ont une raffinerie à Orwan, ils sont à niveau ya ici de Kiev, oh, bah qu'on négocie on a fin 2022. Mundela comprend que minerai ya Congo. Pourquoi na Rwanda, parce que nous sommes en raffinement na or, na Rwanda, et que si mal susuté, et que souka na Congo, et que c'est na bangonyo souba na zélé à Grand Port. Ok, banda ma konzambo kaloba, batunyo souba na Grand Port. Tout le monde na fenêtre. Ok, na fenêtre, batu bazako kweya, batu bazako kufa, tala isika mboka isoko kufa. Tala isika mafie, ba mafie monde, basu mboka en otage. Mais je comprends que je suis en train de faire des choses pour délivrer le peuple congolais. Ceux qui ont été congolais ont infiltré dans l'armée rwandaise à travers les polices Kanambe. Tout ça, c'est la bénédiction. Il y a la mafia monde. Ceux qui ont été les polices Kanambe à jouer à M23, à tuer dans l'armée, dans la police, pour assassiner les paisibles citoyens. Il y a une politique de haine. Il y a affaiblir les politiques qui divisé pour me régner. Tant que tu es inani, il y a une politique sur la balkanisation. Il y a une balkanisation. Si tu as une négociation au niveau de la réconciliation, il y a un complot. Il y a un complot qui est en Goma. Il y a un complot qui est en Goma. Pourquoi tu es en Rwanda? Pour ça, jusqu'à aujourd'hui, il y a un spécialiste en Uganda. Mais le Cambodge, il y a un complot qui est en Goma. Pourquoi tu es en Goma? Tu es dans le village, il y a un Goma. Déba na classe, na village ya Ounyon. Oh, c'est quoi Koufa? Déba na classe. Et là, ça linga passe, na zako kamo. Ils ont dit bilan provisoire. Bam, babeti obi na kati école. Ok, bah français babi accadrer la jeunesse, c'est garantir le futur. Mais jusqu'à preuve du contraire, crime contre l'humanité, crime de guerre. Jusqu'à preuve du contraire. Ils ont un organe mon côté international. Au basali déclaration pour nous condamner acte au Rwanda basali pour nous sanctionner bango. Mais nous avons les Nations Unies basali condamner bas M23 bas Rwandais n'ayez bas attaqué bas casque bleu. Donc bas nous bas confions bas basali batouté bas casque bleu bas basali batou. Parce que ils ont les Nations Unies, ils ont les ONU, ils ont des organes ils ont dépendu des États-Unis d'Amérique. Y a un ancien gars qui m'a éveil de la conscience. Nous sommes un peuple congolais, éveil patriotique.
tous en esprit patriotisme les plus élevés de commune yango na sengi na chef de l'état akata processus ya dialogue entre Rwanda na Congo na droit international il y a trois critères de l'obaka dialogue négociation na rapport de force côté besoin négocier côté frappe né au moins le kaga masali récemment ba kutena ki na chef de l'état na soumé les choses ya João Lourenço tout ça c'est la distraction ba odisse ma konzamboka côté ba tindiki dialogue entre ma konzamboka na Kagame pour na été ba faiblir esprit ba militaire ba faiblir esprit ba peuple congolais na sengi na ma konzamboka akata processus ya dialogue wana ba zwa ambassadeur ya Rwanda Fessa Karega ba longolé na Congo ba bengana musika o aza na Rwanda soka zali ya biso congolais azonga na Congo ba retira zonga so kazali congolais atika la kuna et puis na sengi na gouvernement o azana na Rwanda ambassadeur ya Congo o azana Rwanda je ne suis pas sûr que Kabila tinda congolais atina ne kuna bango rwandais kuna so kaza rwandais atika la kuna na Rwanda so kaza congolais ba retira zonga ah et puis na sengi na chef de l'état na la police na renseignement militaire de MIAP renseignement civil armée congolaise ba immeuble nyonso so mona na Goma o ba rwandais ba ya kotonga na kati ya Congo na kati ya Goma il faut que ça la perquisition moko spéciale parce que il y a des informations il y a plusieurs rwandais dans l'immeuble wana plusieurs rwandais plusieurs milices bercenaire wazali wana na bibundeli j'espère que ba otiko kanga lieutenant colonel moko na niveau kisangani na kombo ya bageni tala degré mais c'est Kabila infiltré dans l'armée congolaise j'espère que na option de ZO ya ko identifier tous les militaires rwandais wana ba identifier dans la police na armée congolaise lieutenant colonel teni ya FRDC na nzoto lieutenant colonel rwandais chers compatriotes siko degré armée ali infiltré toko bunda na Rwanda ndenge nini parce que toutes les résolutions aux hommes na conseil de sécurité les officiers rwandais bazana kati ya salle basa ko pesa Kagame na ba militaire rwandais information na temps réel tous les plans oyo armée congolaise ali ko sala Rwanda bazali informé na temps réel chers compatriotes to kolonga bituma ndenge nini première option na sengi papa Mboso Kodia na papa Basi Lukwebu batika discussion ko bendanaka ya ko welaka ba alimenter na bango bazana na coup constitutionnel ba code ça c'est ordinaire ba voter loi ya réforme ya armée congolaise na la police nationale congolaise parce que armée na la police mais c'est police quand même ya bomaki yango pour na intérêt bande konaye ba rwandais sous bénédiction ya communauté internationale c'est monsieur Kabila qui a fait plonger ce pays dans la misère la plus sombre de la planète dans le noir chers compatriotes tala esika mboka ekufaki monsieur Kabila kundi mboka facha kuti mboka alambo aza ko sala effort pour na komisa mboka na libulu lelo oyo mokonza mboka azobunda na Rwanda te na Uganda te azali ko bunda na ba mafia ya monde azali ko bunda na États-Unis d'Amérique na France na Grande-Bretagne oyo linga ko ba terroriste ako ravite na Rwanda po ba sala mission ya kolongola Goma ba ko tsana Rwanda po ba pisa ka minerai mboka bien na sengi na peuple congolais na veille de la conscience to soutenir armée congolaise na mona ke artiste musicien de Kofali oyo akenda ki na ba vivre foi na ba loso ba sac pour nous soutenir et faire des na sengi na ba misé sur batikali bo boiter les pas et puis na remercier Youssoufa ou elle nga met à concert na niveau ya Rwanda na jié mais par rapport il y a indiscipliné na sorcellerie au ba Rwanda bazana yango annuler concert en tout cas coup de chapeau pour l'esprit patriotisme le plus élevé na sengi na ba congolais nyon sous un esprit wana pour vous dire qu'au Congo il n'y a pas les opposants il y a que les étrangers banda ba ventir au ba Rwanda bazana na niveau ya Bunagana Bounagana, jusqu'à preuve du contraire, aucun opposant à sa déclaration ya ko condamné ba Rwandais. C'est pour vous dire que M. Keita Diang, M. Police Kanambe, M. Soriano Dananyo, ce sont les étrangers au sein de la classe politique congolaise. Bazali ba opposante, chers compatriotes. Bazali ba opposante, ce sont les étrangers au ben ambo cannabis pour nous infiltrer l'armée congolaise, pour nous infiltrer la classe politique ya Congo. Chers compatriotes, merci beaucoup Mbonga Sisko pour retenir comme ma soupe à prendre pour nous. Pour nous, mon collègue Asuka,
na sengi na peuple congolais to simba na comme seul homme to soutenir notre frère notre sang Félix Tshisekedi Tshilombo na armée congolaise na biso na la police nationale congolaise to mona ki ba opposant même ancien président Ukraine à la tenue militaire to moni mon konzamboka à la tenue militaire c'est-à-dire comme exemple un opposant à la tenue militaire na Ukraine mais biso na Congo mona ba opposant baza ko sepela ba Rwanda ba zwa Goma po ba zwa discours ya ko finga mon konzamboka OK complot oyo trahison oyo ya ko infiltrer armée congolaise ça n'a rien à voir avec Félix Tshisekedi Tshilombo akuta ki yango d'ailleurs ya zali ko bunda pona ko balayer ba microbe oyo tout mais les opposants silence criminel yango na sengi na classe politique congolais na sengi na peuple congolais papa mbosu ko te réunion ya a wiklo même na ba député national na ba sénateur il y a des sénateurs et les députés qui collaborent avec les M23 mais l'un de ces quatre matins ba ko traduit ba on a justice peuple congolais boka boité à tous en émanation à tous en immunité parlementaire yeba yango et ko tomber kadik na temps ya trahison ba sa ko le justice TV za lingonga pona ko zwanga plus 243 89 68 53 286 plus 243 89 66 53 286 na biso nyoso je dis et je vous remercie merci. Merci beaucoup, Namorosi. C'est moi qui vais te remercier.